Bonsoir, Madame Dumais. C'est Isabelle. Isabelle est assistante de vie, mais c'est avant tout une visiteuse du soir. Membre de l'association Les Visiteurs du Soir, elle vient en aide aux personnes malades ou handicapées la nuit. Et ce soir, elle commence sa tournée chez Madame Dunet. On s'assure qu'elle a bien tout ce dont elle a besoin, médicaments, son matériel, son téléphone, et puis on l'emmène avec le fauteuil roulant jusqu'à sa chambre. Et là, soit elle est déjà en chemise de nuit, elle est déjà prête, ou alors il faut la déshabiller et la préparer pour pouvoir la mettre au lit. Bon, il fait pas trop chaud, on va pas trop vous couvrir. Est-ce qu'on garde la couverture ou simplement le drap ? Que le drap ? Que le drap. Comme Isabelle, elles sont trois à travailler pour les visiteurs du soir. L'association n'a que 6 mois, mais son originalité lui vaut déjà un vrai succès. C'est un service d'aide à domicile, itinérant, ça veut dire qu'il se balade sur l'ensemble du pays lyonnais en fonction des besoins exprimés, et il fonctionne la nuit et que la nuit. C'est-à-dire qu'il n'est pas en concurrence avec les autres services, il est en complémentarité. Nous pensions pendant la première année intervenir auprès de 8 personnes, vous voyez, et nous sommes en 6 mois à 12, 50% de plus que les prévisions. Je vous souhaite une bonne nuit et puis à demain. Chaque visiteuse vient en aide à 8 personnes en moyenne par soir. Les visites sont courtes, pas plus d'une demi-heure, et l'association couvre les 15 communes du pays lyonnais. Alors forcément, le rythme de travail est soutenu. Le plus gros, disons, du travail, c'est entre 21h et minuit et demi. Là, ça succède toutes les demi-heures, voire une heure, quelquefois un abattement un petit peu plus long. Et après minuit et demi, une heure, donc on est plutôt en attente avec le téléphone d'un appel. Voilà. Les services proposés par les visiteurs du soir répondent à un réel besoin sur le pays lyonnais. L'association devrait donc se développer davantage dans les prochains mois.